Eh bien, salut tout le monde, c'est Ryu, GG pour les étimes. On se retrouve après le mois d'absence sur la NeoBank TV pour des grandes annonces et des annonces qui vont faire vraiment du bien. Tout d'abord, sachez que je suis très très heureux de faire mon retour sur la chaîne, de retrouver à nouveau la communauté, toutes les personnes qui suivent l'AMB, la NeoBank 13 depuis toujours. Je vous en remercie pour ça. Donc sachez qu'aujourd'hui, cette vidéo, elle est là déjà pour annoncer notre grand retour au premier plan, que ça soit en e-sport ou tout simplement dans la communauté en général du jeu vidéo. Donc sachez que pourquoi en e-sport, sachez que niveau FIFA et Call of, vous savez que concrètement on n'a plus rien à prouver pour ceux qui nous ont suivis. J'avoue que voilà, on a tiré une page à ces niveaux là on a fait pas mal de choses et tout ça. Donc là, à notre niveau, on est de retour en e-sport. Cette fois-ci, la MB, elle va faire très très mal comme elle a jamais fait auparavant, et Dieu sait que pourtant qu'on a vraiment fait on va dire très très mal, hein. Je me répète un petit peu parce que ça fait un peu longtemps que j'ai pas commenté, hein, les amis. Donc je me remets un petit peu dans le bain parce que je fais du live comme d'habitude. Vous savez que voilà, je commente mes vidéos sans pression, sans lire quoi que ce soit, etc., etc. Donc sachez qu'au niveau e-sport, on va faire vraiment un retour fracassant, je vous le dis, avec vraiment des investissements en conséquence, et tout ce qui va aller avec des partenaires sérieux, avec des gens sérieux, des joueurs exceptionnels, hein, recrutés vraiment magnifique qui a été fait, et ça sera évidemment sur Destiny, un jeu que j'affectionne particulièrement. C'est d'autant plus, c'est pour ça que je suis content, car grâce au Seigneur de Fer justement qui est sorti le 20 septembre dernier, désormais on a la possibilité de faire les parties privées, ce qui nous a voilà, sur un projet qu'on travaille déjà depuis longtemps sur Destiny. Ça fait déjà quand même 2 ans que j'espérais qu'un jour ce jour arriverait, e-sport sur Destiny, et on y est, on est présent. Et sachez que la MB13 elle est présente, et elle est très très costaud, elle va faire très très mal. Donc ça, c'est pour le grand public, le côté e-sport. Sachez aussi que voilà, dans ce retour, dans cette vidéo, j'ai vraiment une grande annonce à faire. C'était un honneur et un plaisir pour moi de faire cette annonce, parce que désormais, je vais former évidemment tout le staff et toute la team et tous les joueurs qui englobent la team, dont je vais citer leur nom. Sachez que j'ai une fierté pour moi, un honneur d'annoncer donc la coprésidence officiellement. C'est une annonce, c'est GG qui vous le fait, c'est Ryu qui vous le fait, c'est-à-dire le big boss de la MB13, pour vous annoncer désormais qu'il y aura 2 boss à la MB13, c'est-à-dire le coprésident officiel de la NeoBank 13 et de tout ce qui suit, tout ce qui entreprend la team, hein, pour ceux qui connaissent déjà. J'ai l'honneur d'annoncer Loïc, donc mon associé, mon partenaire, mon frère. Pour le long terme, parce que voilà, on est vraiment un binôme de choc, qui est désormais le coprésident de la NeoBank 13. Donc je répète pour les gens qui l'auraient pas compris, voilà, c'est vraiment, je suis content de faire cette annonce parce que voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc Lolo, donc pour ceux qui le connaissent pas sous son prénom, il s'agit de Kaiser Sosé, donc connu grandement connu dans la communauté de Destiny, et qui fait vraiment beaucoup de bien à cette communauté. Donc voilà, il est officiellement le big boss, le binôme de GG, et désormais vous aurez plus GG, vous aurez GG et Lolo, et c'est-à-dire le Ryu et Kaiser Sosé, donc qui sont à la tête de la NeoBank 13. Donc voilà, ça c'est l'annonce officielle, hein, histoire que ça soit bien clair, et il y aura un communiqué qui sera fait évidemment sur Twitter et Facebook avec cette vidéo. Sachez aussi que je suis très fier par rapport au recrutement qu'on a effectué, parce qu'on a fait vraiment un recrutement propre au niveau de Destiny, parce que là on parle vraiment, on lit Destiny. Donc moi, comme je vous ai expliqué, on a tiré un trait sur le reste. Là vraiment c'est sur un jeu qu'on adore, et en plus voilà, on s'est mis bien costaud, hein, que ça soit au niveau financier, comme je l'ai dit, au niveau de l'e-sport, ça va faire très 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 mal. Et puis après, il n'y a pas que l'e-sport dans la vie, les amis, il y a aussi la communauté de Destiny, parce qu'avant tout, on est des joueurs de Destiny, on est des passionnés, on aime les raids, on aime le PVP, on aime le phare, on aime toutes ces choses-là, on aime vraiment tout ce qui englobe le PVE, PVP, les tutos, les aides, les entraides, les sur-aides, voilà. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont être faites aussi, on va proposer vraiment notre aide aussi pour la communauté Destiny, à faire des caries, tout ce que vous avez besoin et tout ça. Et tout ça grâce aux personnes que vous voyez justement qui sont en train de jouer, vous voyez leur live, notamment dans cette vidéo, vous avez la possibilité de voir, et j'ai l'honneur d'annoncer le phénomène Pelo Boy Junior qui a rejoint la NeoBank 13. Vous avez vu aussi un clip de XXTueur77 Thomas qui a rejoint également la MB13 de l'atelier du phare. Et vous allez voir, là je me suis fait hack aussi également, donc qui est très connu aussi dans la communauté, qui a rejoint la MB13.
Hormis ces trois joueurs que vous voyez les clips qui sont en train de tourner, je vais vous annoncer également l'intégralité des personnes sur des chinis qui sont chez nous désormais. Voilà. Donc il s'agit de Waze XS pour ceux qui le connaissent. Joueur de la Globality, donc désormais à la MB13, Pelo, je vous l'ai cité, Pelo Boy Junior, le petit Marco, je me suis fait hack, voilà, Dirt Rose, donc de la Trade Jufar avec XXTuer77, Kaneki 13 Kun, donc joueur e-sport compétitif qui était sur, chez Pulse Gaming, sur Call of Duty, désormais fait partie, donc passionné de Destiny comme nous, fait partie de la MB13, Monsieur Binouz aussi, qui fait partie de la grande famille de XXTuer77, le petit Thomas, Sky189, le big boss de l'atelier Jufar qui passait tous les week-ends à aider les personnes et tout ça, est désormais officiellement un Neobank 13. Kevin549, donc là on a carrément, c'est le frangin de Lolo, donc de Kaiser Sosé. Le petit PASX, le petit phénoméno qui fait trembler tous les week-ends certaines personnes sur le phare. Voilà, Uzumaki Nagato également, joueur très bon joueur, excellent joueur, donc beaucoup de talent sur le phare. World Dynamo, pour ceux qui le connaissent. Zubiwi, le petit Arlan, mon petit Arlan qui nous a rejoint, donc qui est un joueur évidemment de la Neobank, en tant que joueur pour le fun avant tout, parce que dans la MB13, vous savez comment on a toujours fonctionné, on porte un nom de clan, mais on est toute une grande famille, c'est-à-dire il y a les joueurs compétitifs, il y a les joueurs fun, il y a les joueurs nuls comme moi, n'est-ce pas, voilà, et Arlan également qui sera également dans le staff de YouTube pour nous épauler. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je fais une dédicace aussi à mon poulet Sly Pastis, donc le big boss de Destiny France. Vous connaissez la page d'annonce Sly Gaming et tout ça. Donc je lui fais une grosse dédicace aussi à lui. Je salue également tous les joueurs présents dans la MB et je salue toute la communauté Destiny. Voilà, c'était pour vous faire cette annonce. On est là, on est de retour, on va faire mal les amis et c'est pas des conneries. On n'est pas là pour faire semblant. Le message est passé, que ce soit au niveau de la communauté e-sport, n'est-ce pas, et au niveau de la communauté dans sa globalité. On est là pour aider, on est là pour rendre service. Si vous avez besoin d'aide, on est présent sur les phares. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous voulez passer un petit peu sur Neobank TV, montrer vos clips, vous faire connaître, on vous file la main aussi, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Donc sachez-le, voilà, cette vidéo, elle arrive à son terme. J'espère que le gameplay qui est diffusé par ma jolie voix, n'est-ce pas, va vous plaire, parce que franchement c'est des petits gameplays qui font vraiment très très mal. Sachez que les gameplays, d'ailleurs on va les proposer pour la chaîne communautaire Destiny DLC TV. Voilà, c'était GG, je vous salue, je vous fais un bisou et je vous dis à très vite. Ciao ciao les amis.